Ok, ta gueule le même. Re, ça va ou quoi? Qu'est-ce que t'as l'air, t'as dit un truc intéressant, Spider, c'est comment il trouve des titres aussi vite, ce bâtard. Je ne les trouve pas du tout, je les ai dans mes favoris. J'ai un dossier qui s'appelle son, et par exemple, si je clique tranquillo sur ça, par exemple, j'ai ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai des sons qui sont prêts, des sons pour les streams en fait, parce que c'est-à-dire que tout mon navigateur Chrome est entièrement réservé à LMF, j'ai tous les trucs dessus et en particulier les sons. Donc oui, Lethal League Blaze! Je suis content parce que ça fait un moment quand même que je vais vous montrer. Attends, il y a Polyon qui m'a envoyé un cadeau? C'est quoi? Rue, la chaleur me fait fondre, alors autant faire fondre le portefeuille qui va avec. Bisous, love, cœur, bibou. Tu m'en dois une, Popol. Il m'a envoyé. Ah, c'est gentil, mec. C'est super gentil, mec. Donc, Judge, c'est un jeu qui ressemble un peu à Brigador, mais tu joues à un genre de juge cybernétique, ultra vénère. Et tu te bats avec un genre de marteau, mais tu sais, les marteaux de juge, mais complètement vénère. Et c'est grave cool. Et je suis super content. Et merci beaucoup, Wapfal. C'est le dernier qui a parlé, ce fils de pute. Merci beaucoup, Popo. Et non, tiens, je vais remercier Wapfal. Parce que pourquoi pas. Donc, bref. Partons sur les tels ligas. Tu parlais des titres de stream. Ouais, on s'en fout de ça. Oh, oh, comment? Yeah. Comment? Yeah. La soundtrack de Lethal League Blaze, c'est une tuerie. Et je vais monter un petit peu le son histoire qu'on ait du bon son, tu vois. Donc, Lethal League Blaze. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent pas Lethal League du tout? Attends, je vois pas trop tout à fait mon chat. Hop. De toute façon, ça va être très facile à résumer. On va faire... non, pas option de jeu. On va aller dans un joueur. Dans le mode défi. On va choisir un petit perso. Alors, on a lui, il est rigolo parce qu'il a un truc de ping-pong. On a un crocodile. On a une nana avec un genre de boom... comment on appelle ça? Une boombox. On a un robot qui fait du skate. On a lui, c'est mec normal. On a lui, c'est mec pas normal. Et on a Jet. Il y en a d'autres que j'ai pas encore débloqué. Parce que ça coûte 1000 balles de les débloquer, je crois. Et ça demande quand même pas mal de matchs. Mais il y a surtout, il y a elle, toxique. Que je trouve assez ouf niveau design. Candyman pour toujours. Vous voulez que je prenne Candyman ou quoi? Ouais, ça vous dit Candyman? Apparemment, il a 28 ans. Virtuose de la danse, Candyman est un dandy avec une grosse tête jaune. Il utilise sa canne pour frapper la balle issue de sa mutation. Sa capacité spéciale change la composition chimique de certains éléments pour leur donner la propriété étrange, charmant, expressif et délirant. Il est toujours en train de... Mec, j'ai lu, il est toujours en train d'éjaculer. Je sais pas si c'est une déformation professionnelle, mais... Toxique, c'est elle. Si vous voulez savoir. J'adore son design, mais les gens, ils kiffent bien Candyman. Donc je pense qu'on va prendre Candyman. De toute façon, je pense qu'on va en faire plusieurs, hein. On va prendre ce skin là, c'est parti. Donc, le jeu, pour ceux qui connaissent pas, c'est la balle au prisonnier. Ni plus ni moins. Il y a une balle, tu la frappes, elle est à toi, il la frappe, elle est à l'autre. Et faut pas la toucher, à part en la frappant. Sinon, tu prends les dégâts et t'es éliminé. Allez, c'est parti. Hop. Donc en gros, faut frapper la balle. Plus tu frappes la balle, plus elle prend de la vitesse. Voilà, là il a pris les dégâts, donc ça va super vite. J'espère que c'est su... Merde, j'en ai pris une. J'espère que c'est suivable. Alors par exemple, ça aussi ils l'ont rajouté. Il y a eu un truc qui était en haut de l'écran et ça donne des bonus dans un match. Ça, c'est un nouveau truc qu'il n'y avait pas avant. Et donc ouais, on peut récupérer aussi la balle avec la main. Mais ça, je vous montrerai tout à l'heure. Donc en gros, ce que je fais là, quand la balle elle est violette, c'est parce que je fais un amorti. Et ça met la balle à personne en fait. Ça ralentit la balle, peu importe sa vitesse. C'est un peu cheaté. Et en gros, voilà, tout le jeu il est là en fait. Alors par contre mon gars là, pour lire le chat maintenant là, vous allez, ça va être la merde. Ah, apparemment j'ai touché le truc. Donc voilà, j'ai foutu la balle dans le trou en haut là, sans faire exprès en fait. Et le bonus que j'ai eu, c'était un bonus de heal. Il faut garder la balle le plus longtemps possible pour se faire healer. Voilà, ça commence à aller un peu vite. Là, ça commence à aller très vite, sa mère. Voilà. Nice. Tiens. Merde. Tiens, dans ta gueule. Vas-y, relance-la-moi, vas-y. Vas-y, relance-la-moi. Il est nul, ce truc. Tu vas l'avancer? Putain, ils sont cons, les bots, ou quoi? Ah, je l'ai mangé.
Bah dans les options que les bad aille direct à Mac 8. Non. Là on fait un mode défi normal. Et ensuite si vous voulez on va dans les modes rigolos, d'accord? Et oui, quand tu fais un finish assez rapide, t'as un écran qui est complètement ouf. Alors pour le début ça va pas le faire parce qu'il prend les dégâts assez rapidement vu qu'il est bas niveau, il rattrape pas vraiment la balle. Donc voilà, ça c'est mon ulti avec Candyman, c'est que sa balle elle traverse le monde et elle revient de l'autre côté. Pim. Voilà, donc forcément les premières games elles sont un peu faciles comme ça, mais t'inquiète que ça devient super dur super rapidement quoi. Je crois que c'est son stage, écoute le thème de son stage. Oh, je kiffe ce son, mon gars. Ça fait bouger les rats, là. Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Hop. Tac, je vais essayer de la faire rebondir un peu de mon côté. Ah, il l'a chopé. Waouh, je l'ai mangé. Oh, je l'ai remangé. Je suis pas bon. Ah, je l'ai remangé une troisième fois. C'est quoi, ça? Ok, il m'a enculé. Il m'a enculé, mec. Allez, c'est parti, on se concentre. Hop. Là, mon dit, t'es en prenant ta gueule. Merde. Tiens, reprends ça en ta gueule. Merde, j'ai balancé mon ulti sans faire exprès. Tiens. J'en veux encore une. Yeah, boy. Yes. Ça, c'est agréable. Ah, oh, l'enculé. Donc, en gros, ouais, ce qu'il faut faire le plus, en fait, c'est changer de tactique. Genre, il faut punt, il faut choper la balle, il faut faire un maximum de trucs pour que ça vraiment... pour que ça interloque ton ennemi. Enfin, ton adversaire, plus que ton ennemi. Merde. Ah, l'enculé, tu vois, là, il m'a interloqué, là. Ah, chat. Voilà, là, il sait pas trop d'où ça vient. Là, ok, il a repris un peu l'avantage. Merde, c'est pas ça que je vais... Ah, yes. Non, si. Oh. Ah, merde. Il est en train de m'enculer, Switch, là. C'est que le deuxième niveau, là. Mais à chaque fois, j'ai du mal avec Switch, moi. Hop. Merde. Nye. Tiens, dans ta gueule. Merde. Oh, il est en train de jouer un peu tout seul. Mais c'est pas grave. Ah, merde, je voulais la choper. Mauvais essai. Bad try. Tiens, dans ta gueule. Oh, le con, il a plus de réflexion, moi. Parce que c'est un bot. Parce que c'est Skynet. Ah. Merde. Donc tu passes le plus clair de ton temps à courir comme un gros con dans l'état de ligue. En tout cas dans les jeux pas pro, hein, parce que quand tu regardes les mecs qui jouent en pro, c'est un truc de fou. Mais bon, on n'est pas pro, nous. Tiens, ta gueule. Tiens, mon gars. Oui, la balle prend plus en plus de vitesse si personne ne l'amortit, ouais. Et même si tu l'amortis, en fait, elle prend quand même de la vitesse, juste que ça en donne moins que si tu la laté directement, quoi. Regarde. Tac. Ah bah voilà. Dès que ça va un peu vite, et ouais, ça, le compteur en bas va jusqu'à 99 999, je crois. Et c'est impressionnant parce qu'il y a des effets, si tu veux, sur le stage. Genre, il commence à pleuvoir, derrière il fait nuit, le ciel il devient rouge. Et quand tu arrives à 99 999, c'est blanc, tout est blanc. Et les mecs, tu te lattes avec une balle qui est supersonique. Elle est même plus supersonique, elle est supraluminique, tu vois. Je peux vous montrer ça tout à l'heure, hein, si vous voulez. Hein. J'irai en mode training et j'essaierai de vous montrer. Parce que je pense pas que je vais pouvoir vous montrer en mode défi. Et je crois que le gars qui a fait cette chanson là, c'est un des gars, c'est Hideki Nakamura, je crois. C'est celui qui était pour Jet Set Radio. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai chopé le pouvoir pour avoir la balle invisible et le bot m'a enculé. Ah putain, la salope. Attends, voilà. Attends, ta gueule. Encore une autre. Encore une. Hop. Chat. Encore une. Yes. Et oui, il y a Hideki Nakamura. Je crois que c'est ça son nom, c'est Hideki Nakamura, je me cours pas. Ok. Faut que je me concentre un petit peu parce que... Tiens, salope. Hop. Hop. Encore une. Hop. Chat. Tiens, dans ta gueule, casse-toi. Et quand le personnage ennemi il crève, il passe en noir et blanc et tu peux envoyer son cadavre chier. Et j'adore ce truc. Merde, je voulais la choper mais je me suis gouré de touche. Funky Fresh Beats. Oh merde. Fuck. Ok.
Je suis désolé, je peux pas trop vous lire du coup, hein. Vous m'en voudrez pas? Ok. Mais c'est vraiment marrant, quand la balle est à pleine vitesse, c'est tellement impressionnant, mec. Et il faut des réflexes de Margulino, quoi, c'est incroyable. Et encore, je pèse mes mots. Ah, ça c'est cool. Parce que j'avais plus trop de vie. Donc si je peux la choper comme ça, yes. Impeccable. Du coup, j'ai repris l'avantage de la partie. Ah, je viens de le perdre. Oh la salope. Oh merde. Oh putain, dans mon chapeau. Ça sert à quoi de rattraper la balle? Et bah, pour rattraper la balle avec la main, ça sert uniquement à un peu casser le rythme de la balle. Du coup, c'est plus compliqué pour l'adversaire de la récupérer. Et punt la balle comme je le fais, avec, tu sais, quand la balle devient violette, ça sert pareil à la contrôler plus facilement en fait. Tout simplement, tu vois, tu lui donnes ta trajectoire à toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que quelque part, ça sert pas forcément à grand chose. Mais c'est plus simple, quoi. Ouh! Allez. Ce qui est marrant, c'est que quand la balle, elle est assez rapide, en fait, théoriquement, elle est partout. Donc, peu importe où t'es sur la map, tu appuies sur X, et ça, tu vas la taper forcément, parce qu'elle est vraiment partout. La balle est partout. Elle rebondit tellement vite qu'elle est partout. Ok, c'est parti. Mais ça se voit clairement que c'est inspiré de ouf de Jet Set Radio sur tous les points, quoi. Au niveau de la musique, au niveau du design des persos. Elle m'encule assez vite, je crois. Ah ouais. J'arrive pas à récupérer la balle déjà. Voilà. Ah oui, ça c'est son ultra en gros. Elle casse le rythme deux fois. Elle fait deux genres d'ondes sonores sur la balle. Et ça c'est super gênant. Genre j'ai trop du mal à savoir où elle est à chaque fois. C'est pour ça que je me fais éclater. Ok. Je sais même pas si c'est lisible comme action. Franchement, je... Déjà que moi je comprends pas trop ce que je fais. Alors vous avec le bitrate et tout, ouh. Dans la gueule. Alors oui, t'as des petites provocations un peu à la Rocket League. C'est gentil, hein, c'est des oups, sorry, what the fuck, you fucking bitch. Hop, je vais récupérer un peu de mon côté. Ah bah voilà, parfait. Ah, c'est la balle invisible, ça, je crois. Alors, faut surtout faire en sorte qu'elle la récupère pas. Parce que... Oh merde. Je sais pas où il est. Ah, et puis voilà. À chaque fois, mec. Le bot, il s'en fout, lui. Il la voit, la balle invisible. Mais alors, moi... Alors, du coup, quand tu joues contre un joueur, y'a pas de problème. Et contre les bots, mon gars. Les fameux bots qui trichent. Un peu comme sur Need for Speed. Je sais pas si vous avez déjà joué à Need for Speed, Need for Speed, c'est lequel? Hot Pursuit. Le premier Need for Speed Hot Pursuit sur PS2. Les mecs, ils avaient un putain de boost dès que t'étais un peu loin. Oh merde. Oh, oh oui. Ah, j'ai eu peur, je croyais qu'elle allait rechoper. Je me suis chié dessus. Donc ouais, ils avaient un putain de boost à chaque fois qu'ils étaient un peu loin, et tu les voyais dans ton rétroviseur, mais ils passaient à des vitesses suprasoniques, c'est supersonique. Ça m'éclatait. Et c'était très injuste aussi. Chou, putain. Tiens, ta gueule. Yes. Merde, je voulais la taper, mais tant pis, j'ai pas réussi. Ok, c'est notre dernière vie à tous les deux. Moi, j'ai plus de vie du tout. J'espère qu'il va pas me sortir un coup à la Fantomas, parce que sinon c'est vraiment la merde. Elle a pas eu besoin de me sortir un coup à la Fantomas, j'ai juste été rattrapé la balle avec ma tête. Bon, je crois qu'il y a deux continues. Ouais, c'est ça, il y a deux continues en tout sur le mode arcade. Non, ouais, le 1 million, il est complètement vénère. C'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Elle a littéralement rien foutu, elle a relancé la balle une fois et ça y est, dans ma gueule. Est-ce qu'on peut baisser, tu crois, le nombre de rounds? Non, peut-être pas. Merde. Tu sais ce qui s'est passé là? J'ai paniqué. Genre, j'ai vu la balle revenir, je me suis dit bah merde. Je vais l'enculer, mec. Yes, super réflexe, mon gars. Tiens, ouh. Oh my wamo, Shindeiru. Oui, dans les options. Ok, faudrait que je mette plus de rounds ou 3 rounds. Parce que 4 rounds, j'avoue que c'est un peu long. Hop, dans ta gueule. Hop, je la récupère. Hop, je la punt, je la récupère. Oh, mais... Ouh. Ouais, la pose Dio, là, pour le coup, c'était vraiment la pose... Oh, la salope, elle m'a fait une émote.
Elle m'a émote sur la gueule. Elle m'a émote partout sur le visage. Elle m'a fait une douche émossaise. Et il y a eu un truc aussi qui a été qui était pas dans l'état de ligue de base. T'as une parade quand tu charges ton coup. Quand tu viens de choper la balle et que tu charges un coup énorme, tu peux appuyer sur B pour éviter que le mec te la chope dès que t'as fini de le charger en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça c'était une grosse technique. T'attendais que le mec il charge son coup et du coup t'allais lui récupérer dans les mains, tu vois. Mais ça tu peux plus maintenant avec le mode la parade. Et ça c'est pas mal. J'ai pas réussi. Ouais, l'e-sport sur ça doit être cool. J'ai jamais vu trop de matchs pro, j'en ai vu quelques-uns, mais il n'y avait rien de trop d'exceptionnel. Mais c'est vrai que ça doit être assez impressionnant de voir des mecs qui jouent à pleine vitesse et tout. Il doit y avoir des strats de malade, le metagame il doit être complètement ouf sur ce jeu. Tiens, salope. Ok, je crois que j'ai une vie en plus. Ouais, j'ai une vie en plus, ok. Plus qu'un match et je suis bon, plus qu'un round et je suis bon. Merde. Pas grave, je la chope. Voilà, elle est à moi. Hop, ta gueule. Hop. Yann, nique ta mère. Haha, t'es conne. T'es mauvais, Jack. Ah, merde. Mais je crois qu'elle était à moi, je suis con, quoi. Tiens. Yes, c'est bon, c'est à moi. Normalement, c'est à moi. Yes. Redonne-moi la vie. Redonne-moi la vie de mes ancêtres. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Bim ! Oh la vache ! Oh ce qu'il a mangé. Ça va, ça reste compréhensible l'action à l'écran ou quoi ? Je me rends pas trop compte, j'ai l'impression que c'est très très rapide. Beaucoup trop rapide pour un stream, mais est-ce que ça va ? Putain, en plus, t'as vu, il en reste des matchs, mon gars. Chut, je suis à peine au début là. Latch, mon gars, Latch, il a des coups de pute. En plus, il vit dans des égouts et j'aime pas les égouts. Tiens, dans ta gueule. Ok. Merde, non, saute avant. Il est con quoi? Yes. Ok. Ha! Pouh! Yes! Oh le con! Oh l'enculé! Oh il m'a niqué! Oh non! Non! Ça c'est un power up, en gros tu diriges la balle. Là Latch il est en train de diriger la balle vers moi. Sauf que comme il est con, je suis plutôt tranquille. Bah, c'est à dire c'est toujours le même schéma en fait. Si t'as envie de craquer l'IA, tu sautes, tu voles, tu sautes, tu voles et y a pas trop de problème. Moi aussi je déteste ce bâtard de croco. En plus Skad c'est celui qui prenait tout le temps et j'arrivais jamais à le counter. Genre c'est vraiment mon match-up de la mort quoi. Et du coup c'est pas mal de faire des amortis aussi pour faire passer la balle au-dessus des ennemis quand elle arrive sur eux, tu vois. Enfin, ça permet un peu de les foutre dans la merde. Ah merde, un peu trop tôt. Oh, je l'ai enculé là par contre. Tiens. C'est cool à voir, c'est cool. Ok, ça va, donc c'est cool. Si vous arrivez bien à voir, c'est le principal. C'est bon sur moi. Je suis un peu en train d'enculer, mais il faut pas non plus que je me repose sur mes lauriers. Ok. Ah. Tu vois, c'est ça, c'est son ulti. Il chope la balle pendant un moment et il te la renvoie dans la gueule. C'est pas pareil que quand tu la chopes toi. C'est pire. Oh, 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 oh. J'ai pris énormément de screens hier d'ultra comme ça, quand je niquais des mecs. Parce que je les trouve tous vraiment super stylés. Et vraiment le style Jet Set Radio comme ça, je connais pas un truc plus stylé que ça quoi. Ça doit être un de mes styles de jeu japonais si tu veux, une de mes directions artistiques préférées je crois. Du monde. Ow. Je pensais que je l'avais là, pas pourquoi. Yes. Oh. Tiens, nique ta mère. Encore une. Oui. Encore une. Oh. C'est bon, je l'ai enculé, c'est bon, pas de problème. Et donc il y a aussi des costumes. Il y a des costumes à débloquer pour les joueurs. Je vous en montrerai tout à l'heure si vous voulez. Putain, Candyman, merde. C'est mon match-up que je déteste. C'est parti. Record de vitesse. Bah écoute, en mode training je suis arrivé au 1 million hein, donc mais bon t'es tout seul. Mais en game comme ça je sais pas. En général ça s'arrête à 230. Parce que l'IA elle est pas
Elle est pas net net comme tu peux le voir donc. Tiens, casse-toi. J'adore ce son, mec. Il s'appelle Klaus Wien, je crois, le gars qui fait ça, l'artiste qui fait ça. Ce son-là est le son du menu principal. Et je surkiffe de ouf. Oh putain, en plus je sais à peine lequel je suis sur les deux. Comme vous pouvez le voir, la ressemblance elle est troublante. Allez hop, yes. Est-ce que c'est considéré comme un jeu de sport ou un jeu de baston, tu crois? Oui, c'est écrit en bas là. Ah oui, attends, merde, vite. Mec, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah merde, j'ai pas compris ce que c'était. Oui, c'est écrit en bas le nom du mec, c'est Klaus Wien et la chanson s'appelle Snibbit. Elle est sur Spotify, hein. Snibbit de Klaus Wien. Klaus comme Klaus en allemand et Wien V-E-2-N. V-E-N. Merde. Vas-y. Et ça entre potes, parce qu'il faut savoir que ça se joue jusqu'à 4 quand même. Et comme vous pouvez vous l'imaginer, à 4, c'est un bordel pas possible. Encore une. Encore une. C'est moi qui l'ai eu. Ok, c'est moi qui l'ai eu. J'étais pas sûr au début. C'est pas lisible, c'est dommage pour les persos. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Ah lui c'est un connard aussi, Dice. A4, si t'as pas du son de ninja pour voir la balle. Ah oui non, c'est un truc de fou. Sauf que t'as un mode où chaque toucher de balle tue en un coup. Enfin, en tout cas, il y en avait un sur le premier Lethal League. Et c'était vénère. Et du coup, faut jouer un peu tout seul. Et voilà. Non, même accroupi dans un coin, t'as pas gagné, mec. La balle, elle est tellement volatile que tu te la manges dans la gueule au bout de quelques secondes. Non, le mieux, je pense, pour gagner en online à 4, il faut punt tout le temps la balle. Parce que peu importe qu'elle soit à toi ou pas à toi, la balle, quand elle t'arrive dessus, tu peux la punt comme ça. Avec B, du coup, ça la rend violette, là. Et ça la ralentit entièrement, en fait. Donc je pense que le meilleur moyen, c'est de faire ça. Genre, tu fais tout le temps ça. Hop. Encore. Ouh. 265. 460. Oh, il en a pris plein la gueule. Bah, il en a pris plein la gueule, là. Pip. Nice. I know. Faggot. Oh, l'enculé. Il a des réflexes surhumains. C'est comme s'il était une machine. Ouf. Ah, il a voulu me niquer. T'as voulu me niquer, hein. Petit bâtard. Ah l'enculé, tu vois, quand il y a eu le disque bleu là, autour de la balle qu'il a balancé, ça c'est une parade. Donc il s'attendait à ce que je vienne la choper entre ses mains. Mais ce n'a pas été le cas. Dice, il bootleg de Krillin avec 6 points sur son torse. Non mais Dice, il est bon à quelque chose par contre. Oh la vache. Oh le con. Ah oui bah là. Oh là. Ouais là c'était un peu chaud là. J'avoue c'était un peu chaud là. Mais c'est pas grave, il a plus qu'un point de vie là. Donc normalement si je gère bien le prochain truc, Il va crever tout de suite là. Vous inquiétez pas, regarde, il va crever tout de suite. Et voilà, casse toi Ah oui, il est vraiment cool. Le jeu est vraiment cool. Mais je t'avoue que faut être sous adrénaline bien quoi. Nitro, celui-là, je l'ai pas débloqué encore, mais je kiffe son style. Et du coup, il me fait vraiment poster au flic de Jet Set Radio Future. Il a de la gueule, je trouve. Bon, par contre, il est con, hein. Mais... Ah oui, ça, c'est son skill à lui. Avec sa menotte, là, il arrive à ramener la balle. C'est pas trop mal, mais c'est un peu un get over here, mais je trouve ça moins ouf que les compétences offensives des autres, tu vois. Genre l'autre meuf avec sa boombox là qui fait plusieurs
qui fait plusieurs arrêts, qui fait plusieurs arrêts à la balle, je trouve ça carrément pire quoi. Putain merde, j'ai foiré mon timing, c'est pas grave. Stay down Nazi, il a dit. Je suis pas nazi. Enfin, il me semble pas. Je saurais, je pense. Pff, ah, il pue la merde. Merde. Moi aussi, je pue la merde. Non. Voilà. Je me fais paniquer tout seul, en fait. Et je pense que je saute trop, un peu comme les débutants sur Street, tu vois. Ou un peu comme Spider sur Killer Instinct. Oh merde. Ok. Ça, je pourrais avoir pire. Oh putain. Heureusement que l'IA elle est con, hein. Ah merde. Voilà. Oh yes. Oh yes. Comment je l'ai trop fumé, Spider. Oh, il est trop vénère. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, joue. Écoute, mon con, quoi. Bon, j'arrive. Ah, il m'a bang bouselé. Il a fait genre, il était attardé alors qu'il était. He was merely pretending. T'inquiète pas, mon gars. Alors là, ça va être chaud. J'ai plus qu'un continue après. Et le, j'avoue que le boss de fin, il va être difficile à passer si j'ai pas de continue. Oh l'enculé, tu vois là il m'apparaît. J'ai voulu la taper dans ses mains, mais j'ai pas pu parce qu'il m'apparaît. Tiens, nique ta mère. Ok, on a même fait des qualités. Maintenant, si j'arrive à faire circuler la balle assez vite, je vais essayer de me concentrer. Déjà, j'arrive pas là. J'ai pris beaucoup de dégâts. Oh merde. Non! Ah, il m'a niqué! Oh putain! Fais chier! Ah merde! Putain! Fuck off! Faggot! Ok, je me mets des circuits dans le cul! Ok, go! C'est chaud la fin, j'avoue que c'était chaud la fin. Enfin, je vais pas me faire niquer au même jeu là. Cette fois-ci, je me concentre à fond. Tiens, celle-là, elle est cadeau déjà. Je sais pas si vous voyez les espèces de petites barres de chargement en bas, où c'est marqué release sur les côtés, les barres colorées. Ces barres, elles se remplissent pendant que quelqu'un prépare son coup, pendant que quelqu'un est en train de toucher la balle en fait. Et il faut avoir toujours un peu un œil dessus pour savoir quand est-ce que l'ennemi va te lâcher la balle dans la gueule. Sinon, t'as pas trop moyen de savoir en fait. C'est bon, je suis en train d'enculer là, j'ai 2 points d'avance. Normalement, ça devrait être tranquille pour la suite. Oh merde. Ouf. Je suis en train de me chier dessus. Ouf. Il y a beaucoup de combos dans le jeu. Il y a pas de combo, hein. Il y a une touche pour punt, une touche pour taper, je veux dire. Pour taper la balle simplement, c'est X. Il y a une touche pour punt la balle, donc faire un petit lob comme ça, c'est B. T'as une touche pour attraper la balle, Y, et c'est plus ou moins tout. Après, t'as quelques trucs, genre, bah ouais, tu peux déclencher un ultra en appuyant 2 fois sur la balle. Tu peux... Oh, ça c'est marrant ça. Regarde. Ouais, du coup, merde, il en a une aussi. C'est bon. T'as une touche pour déclencher l'ultra et t'as une touche pour déclencher la parade. C'est tout. T'as pas vraiment de combo, t'as pas vraiment de moveset ni rien, donc c'est plutôt tranquille, tu vois. Alors Grid, ça c'est un personnage débloquable, celui que j'ai pas encore chopé parce que je suis pas trop fan de son de sa gueule. Il me rappelle un personnage sur je sais plus quel, c'est un jeu de baston japonais. Je sais plus comment il s'appelle, c'est un genre de gros golem comme ça aussi, quadrillé. Je suis pas trop fan de lui donc... Ok. On se calme. Oh non. Culé, yes. Ah, il va avoir du mal avec celle-là. Yes. Non, pas Darkstalker, c'est un autre. Un jeu tout rigolo avec un mec... Le mec principal, c'est un gars avec d'énormes lèvres. Un mec tout rose avec d'énormes lèvres, torse nu et ultra musclé. Putain, comment ça s'appelle? C'est pas Darkstalkers.
Un truc avec des muscles dedans, je crois, ou un truc comme ça. Pas muscle boy, mais une connerie dans le genre, quoi. Yes. Impossible. Mais non, pas Dragon Ball. Qui con. Quel abruti. Non, je saurais plus le nom du jeu. C'est un jeu un peu niche. Il essaie de me suivre, là, mais il a du mal. Hein. Il a du mal, le grid, là. Par contre, il fait de ses smash, mon gars. Merde. Ouh. Ouh là là. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Ah, je peux pas la choper, cette putain de balle. Oh, s'il te plaît. C'est ça, son pouvoir, à lui. Je sais même pas, tu vois. Et je l'ai pas encore joué, donc je savais même pas c'était quoi son pouvoir. Je cherche un jeu, c'est un jeu de baston avec des personnages un peu tous chelous. Il y a un personnage, c'est un genre de golem en or tout quadrillé, comme s'il était constitué de petites briques. Et le personnage principal, c'est un gars avec d'énormes lèvres comme ça, tout rose, avec une espèce de petite coiffure à la con. C'est un jeu de baston et je crois que c'est tiré d'un manga. Je saurais pas dire c'est quoi. Non, parce que le Girls, j'aurais su c'était le Girls, poteau. Putain, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais c'est un truc genre super wrestling, je sais plus quoi. C'était bidon en plus, hein, c'était de la merde, hein, mais je sais pas. Ce personnage me le rappelle le personnage de là-bas, donc c'est pour ça. Pour ça que j'y pense. Anita. Attends, Bobo, ça me dit quelque chose. Bobo, ouais. C'est ça ou quoi? Non, c'est peut-être pas ça alors. Non, c'est peut-être. Ouais, non, il a les lèvres toutes retroussées comme. Le mec dans GTO. Non, je me souviendrai pas. Attends. Fighty Game Wrestling Japanese. Je suis sûr que je vais trouver un truc, je pense. Non. Si je tape niche Japanese fighting game. Non, c'est pas ça. Non, mais je trouverai pas là, de toute façon. Je trouverai pas. Faudrait que j'aille retourner dans les vidéos de Super Best Friends. C'est là-dedans que j'avais trouvé. Mais ouais, non, je trouverai pas là. C'est marrant, Candyman, il ressemble au professeur dans Assassination Classroom. Et j'y avais pas trop réfléchi avant, et en fait, oui, c'est évident. Putain, comment ça s'appelle? Non, je me souviens plus. C'est pas très marrant. Ok, avant-dernier combat. Contre Candyman himself. Je l'ai déjà fait tout à l'heure, donc on s'en fout, mais... En plus, c'est sur la map de Fulgore. J'ai essayé de donner un peu de vitesse tout seul. Oh, l'enculé, il s'en fout. On a les mêmes réflexes, vu qu'on est pareil. Voilà. C'était un jeu... à 2D ou 3D, je sais même plus, tiens, mec. Oh. Et merde. Je suis allé trop tôt la chercher. Je sais plus, je crois que c'est 2D. Je sais plus, mec. Franchement, je sais plus. A chaque fois, j'ai envie de dire Densha Dego. Mais Densha Dego, c'est un jeu de train. Et c'est pas du tout ça. J'ai baissé un peu le son parce que la soundtrack, elle est forte, là. En plus, la soundtrack, elle me rappelle Domina. Voilà, mon gars. Voilà, mon gars. Ah bah là, tu l'as mangé, poteau, là. Ouf. Oh mon gars, les weapon clash. Il y a du weapon clash comme dans Weapon Lord. Weapon Lord, d'ailleurs, que je ne vous streamerai jamais parce que j'ai jamais réussi à jouer à ce jeu-là. C'est incroyable. Il est tellement dur. Oh l'enculé. Oh la salope. Ah, c'est chaud, j'en prends plein la gueule, là. Concentre-toi, Lucien. Concentre-toi. C'est pas grave pour le commentaire. T'es pas là pour streamer, t'es là pour jouer. T'es pas là pour amuser les gens, t'es là pour faire du score, Lucien, putain. T'as envie que les gens ils se disent que t'es un scrub. Oh merde, putain. Non, c'est pas Fire Pro Wrestling. Mais non, pas du tout, y'a pas de golem dans Fire Pro Wrestling, t'es con, quoi. Réfléchis, Coco. Coco l'astico. Non, c'est chaud. Je pense que je vais perdre, je pense que je vais paumer, là. Non, c'est pas bon. Pas bon du tout.
Non, elle est pas dans Domina, mais il y en a qui ressemblent énormément. Il y en a qui ressemblent énormément, ouais. Du coup, c'est game over. Ah. Bah voilà. Top. Voilà. Retour au menu principal. Vous voulez que je vous montre que ça, à quoi ça ressemble, 1 million de vitesses, là? On va prendre ce skin-là, je kiffe. File-moi le terrain de Switch, parce que la soundtrack, elle déboîte. Oh, yes. Ok. Alors, voyons voir. Ça va être rapide, hein. C'est juste pour vous montrer. Ok, là, on est à 58. J'arrive pas à rechoper ma balle. Hop, 59. 103. Ça commence un peu à trembler déjà. Hop. Pas beaucoup de vitesse, mais... Enfin, je fais la punt. Merde. Je sais pas trop c'est quoi son pouvoir, j'ai jamais trop compris, ouais. 164. Quand t'es tout seul, c'est un peu plus long, du coup, à faire monter la vitesse, mais... 233. 307. Vous voyez déjà qu'à 380, ça commence à nous dire n'importe quoi. La balle, elle est invisible, limite. Merde. 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 Voilà. Si, mais bien sûr que tu peux aller jusqu'à 1000, mais tu peux dépasser 1000, tu peux aller jusqu'à 1 million, mec. Oh là là, ça devient en négatif. Alors là, à ce moment-là, si tu veux, la balle, elle est inexistante. Voilà, 2000. Mais après, je crois que la vitesse de la balle, elle, ça se modifie plus vraiment, en fait. Elle est tellement rapide que... Regarde ça. Voilà. Bientôt 10 000. Je crois qu'il faut faire forcément des smashs pour augmenter la vitesse drastiquement. Voilà, 15 000, 16 000. Voilà. Attends. Elle est où? Voilà. Donc je sais pas ce que fait le truc toxique. Merde, comment je le récupère? Voilà, comme ça. Ok. Voilà. J'aimerais bien vous montrer au moment où... Donc là déjà, quand le match il a cette vitesse là, déjà tu sais que t'as affaire à des mecs plutôt sympas, quoi. Mais genre quand t'es à 4 personnes, comment tu veux faire? Ok. Attends, encore une. Yes. Allez, putain, mais ça augmente pas beaucoup là. Je sais pas trop comment faut faire pour assurément augmenter la vitesse de façon drastique. C'est fait toxique là, tu vois, je sais pas trop ce que ça fout. En 1v1, le million arrive assez vite. Bah oui, je me doute bien, ouais. Là, j'avoue que c'est un peu plus long. Et donc, tu vois, peu importe la vitesse, si tu punt, bip, ça annule complètement la vitesse. Bip. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est pas mal. Est-ce que je peux la choper? Ouais. ça sert à rien, mais c'est rigolo. Merde. Attends. Merde. Voilà. Jump plus coup vers l'avant. D'accord. Ah, c'est ça, les smash. D'accord. Et tu vois, peu importe où t'es, peu importe où tu punts, tu vas la toucher forcément parce que l'animation est tellement lente que, que tu vas forcément avoir un moment où elle sera sur toi, si tu veux, tu vois. Ah, ça m'éclate. Yes. Voilà. Et là, ça commence à devenir un peu vénère. On est à 1 million, voilà. Et à 1 million... 1 million avec tout qui disparaît, la balle, elle est supraluminique. Voilà, voilà ce que ça fait, 1 million. Tiens, maintenant que t'es là, Lalou 816, vu que t'as l'air de connaître le jeu, est-ce que on dirait que la balle elle lui rentre dans le cul, tu trouves pas? On dirait que la balle lui rentre littéralement dedans l'anus, à cause de la... comment... de la superposition des calques. Bref. Voilà. Bon, bref. Tac, on va quitter, on va lancer un autre mode de jeu. Je sais pas s'il y a d'autres modes de jeu de ouf. Il y a le mode défi, mais il n'y a pas les modes un peu fun qu'il y avait dans le premier jeu. Match. Chacun pour soi, 1v1, l'étal volet. Ah, faut peut-être les débloquer alors. Peut-être dans le mode histoire. C'est la première fois que je vois ça. Oui, le mode online. C'est dans le mode online qu'il y a des trucs un peu spéciaux. Et du coup, pour débloquer les...
Faut acheter des mods. D'accord, faut acheter des mods. Et mods, ah oui. Ah bah voilà. En plus, j'ai acheté pour choper les deux. Bah voilà, hop. Et hop, vous voulez que je vous montre les skins vite fait? Il y en a qui sont stylés. Donc déjà, on peut acheter des terrains aussi. Il y en a qui sont super stylés en plus. Une île robot, des airs automobiles, Paradise Field, centre-ville, ok. Et au niveau des personnages, donc lui, il a des trucs un peu stylés, mais on voit en fait, on voit que leur... comment ça s'appelle? Genre, ouais, donc déjà, celle-là, je la trouve super stylée. Et ça, pour le coup, c'est complètement Jet Set Radio, quoi. Mais complètement Jet Set Radio. Et Toxic, il en a des stylés, je crois. Il y en a qui sont vraiment classe. Après, on les voit pas forcément. Et puis, ouais, ça coûte le cul, en plus, donc... Et donc, ouais, il y a ces trois-là que j'ai pas chopé. Il y a lui, donc c'est le flic qui avait sa menotte tout à l'heure. Il y a lui, c'est Grid. Et lui, c'est le boss de fin qui s'appelle Boombox. C'est littéralement juste une grosse radio avec des bras et qui gueule très fort. Et je kiffe ce truc. Je kiffe sa gueule. Alors, c'est quoi l'étal volet? J'espère qu'on peut jouer avec des bots parce que sinon, je suis dans la merde. Je peux pas. Je peux pas jouer avec des bots. Ça, je peux pas jouer avec des bots. C'est bidon un peu, non? Putain, faut forcément avoir des copains. Ah oui, IA, pardon, j'avais pas vu. Ouais, non, c'est bon, faut pas forcément avoir des copains. Oh mec, j'ai eu peur. Oh, j'ai flippé de ouf. Parce que moi, j'ai pas d'amis, alors comment tu veux que je fasse? Ok, je vais la prendre en bleu, elle est jolie. C'est juste du volet, tu crois? Oh yeah, sur ce stage en plus. Si c'est juste du volet, ça va être vénère quand même. Ok. Fais quoi, Switch? Switch? Ça te dit pas de jouer, Switch? Switch? Ah bah voilà! Oh l'enculé! Oh, il a essayé de me fake! Oh l'enculé, il a essayé de me fake! Quel gros bâtard! Quel gros enculé! Il a beau être niveau 1, c'est marrant parce que du coup la balle elle a... Mais je suis con, faut pas que je fasse des smash de mon côté. Attends, j'ai encore des réflexes! J'ai encore des réflexes de tout à l'heure! Ouais, c'est bon, c'est vrai qu'il est con aussi quand même. Une petite partie de biche volée? Ah, il s'est tué tout seul. Je vais ranger la forêt. Ça, c'était moi au badminton au collège. Bon, bah, tant pis. Tant pis, la balle elle passe de l'autre côté, c'est trop tard. Merde. Oh putain. Actual autism. Seems like you've got autism. Pff, quelle pédale. Allez, Switch. Non, mais Switch. Switch, ici, voilà. Et il a fait un combo. Il a fait un combo stylé. Ha! Smash! Merde! Bon, je préfère quand même Tekken Ball, mais c'est marrant, je pense que en online, ça va être vraiment vénère ce truc-là. Du coup, tu peux pas donner de vitesse à la balle pour le coup. Y a pas de. Ouais, non, elle reste à 35 tout le temps. Regarde la super héros pose qu'elle a en plus quand elle est couchée. Je sais même pas pourquoi on peut se coucher en fait comme ça. Ça n'a aucun but tactique, mais ça te dit pas de jouer Switch parce qu'en fait il est en train de jouer tout seul, le mec il est en train de se tuer. Merde. Je dis ça mais je suis pas beaucoup mieux. Mais Switch, tu veux qu'on parle, mec? Ah oui, c'est vrai que tu peux esquiver les balles avec le crouch, mais pourquoi tu veux esquiver quand tu peux la balancer à 3000 km/h? Du coup, j'imagine que Haru-kun et Lalou 816, vous jouez à Lethal League Blaze. Moi, forcément, j'ai joué qu'une fois, c'était hier, et sinon, Lethal League de base, j'avais que 5 ou 6 heures, je crois, dessus. Donc, j'avoue, j'y connais rien, mais si jamais vous avez de l'insight, je suis... Putain, mais c'est pas possible, je pue la merde ou quoi? Enfin, ou quoi? Non, c'est, évidemment, c'est ça, mais... Ha! Quel loser. C'est sympa en line online, ce jeu, surtout... Contre des bots, c'est surtout pour apprendre. Ouais, bien sûr, non, mais c'est, là, c'est surtout en fait un stream pour montrer. Là, je viens de faire quand même 4h30 de Resident Evil 2 Remake. C'était juste pour montrer les Talic Blaze, parce qu'il y a des gens qui connaissaient pas, mais... S'il y a des gens qui veulent le prendre ce soir, enfin ce soir ou même pas ce soir, mais dans un futur proche, on pourra du coup s'organiser des petits tournois des Talic Blaze. Ça fait un moment que je voulais en faire. Et... Oh, on gagne des thunes. C'est génial, ça peut se farmer, ça. Moi, c'est ça que je vois, moi. Bon, par contre, non, t'es gentil, machin, mais on va arrêter là le massacre. J'ai envie de voir dans le mille ce que c'est. With the shape of your lips, I'm on the right. Attends, du coup, je vais lui foutre un niveau un peu plus un peu conséquent. Tiens, niveau 4. Il va m'éclater, le mec. Pourtant,
maintenant Bazzi il a fait de la grosse pub pour Blaze. Qui? Ok, donc faut tirer dans le but de l'autre, c'est ça? Ha! Gagné! Merde. Ah, c'est marrant, la balle elle est molle, pareil. Ha! Ha! Non, non, non! Save! Game! Ha! 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 Bim! Tiens, je t'encule! Je voulais me foutre une tartine, mais c'est pas passé. Merde, 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 merde! Le lob, Sébastien Lob, Sébastien Lob! Ouf! Non! Oui, 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 j'ai gagné. Non, non, non. Allez, allez. Non. Putain. Mec, ça... Ah, mais c'est super frustrant. Ok. Ah. Ah. Yes. Mais ce con, il tire dans son but. Yes. J'attends de tourner à Mordo. Mais c'est pareil, Mordo, ça va falloir l'organiser, mais... on sait qu'il y en a pas mal de monde qui sont dessus, donc ça va se faire, t'inquiète pas, hein. Cette fois-ci, je joue pas par contre, hein, parce que c'est trop facile. Putain, c'est pareil, elle peut pas gagner de vitesse non plus la balle là, ouais, c'est toujours à 35, d'accord. Je sais pas si. Bim dans ta gueule. Ouais, il est marrant ce mode là aussi. Fais voir, attends, j'aurais voulu tenter le mode volet. Mais avec déjà 4 personnes et des IA au maximum. On tente ? Vas-y, on va prendre que des mecs cool, on va prendre que des meufs, tiens. Bah merde, y'en a qu'une autre. Bon bah tant pis, on verra sans. C'est 8, je crois, non c'est 7 le max, ok. Une autre. On va prendre elle, niveau 7. Et on va prendre... Ah oui non, non voilà, comme ça, je me suis gouré. Non, merde. Pas possible, elle. Mais non, pas Sonata, voilà. Et bah je vais prendre Dice, tiens. Un tournoi de Tekken 7, ce serait le fait. Putain, j'avoue, par contre, un tournoi de Tekken 7, ça, ce serait vénère, ça. Allez, tous niveau 7. Je vais en prendre plein la gueule, là. Et du coup, il y a des côtés. Ok, je suis avec Sonata. Ha! Oh là là, oh là là. Oh, c'est la merde. Ha! Oh, mec. Oh, reprise. Oh, merde. Elle va se foutre de ma gueule, elle va se foutre de ma gueule. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, putain. Attends, je vais laisser jouer un peu parce que... Bon d'accord, bah, je vais rester dans le coin là. Je vais rester là. Je crois qu'elle se démerde très bien sans moi en fait Sonata, donc je vais rester là dans le coin. Un peu comme au foot. Oh mec. 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 Mais déchire. Ah moi. Ah. Merde. Faut que j'arrête putain. Oh la vache. Je lance. Ouais, elle a rattrapé. J'ai failli faire une énorme connerie encore. Yes. C'est bon, je l'ai relancé, t'as vu, j'ai fait le service. Et je reste derrière. Moi, je protège le derrière. Pim. Bon, fou, je vais prendre Raptor et je vais le mettre en noir parce que je suis dark de ouf. Et on va jouer que contre des ignominies de la nature, donc Switch. Non, je veux Raptor. Et je le veux en noir. En noir, voilà. Ça, lui, c'est une erreur de la nature aussi. Et Candyman, c'est une autre erreur de la nature. Et on va jouer à 4, niveau 7. Donc on est d'accord, Switch, il fout la merde de ouf, Harokun, parce que tout à l'heure, j'ai fait un peu de solo, et c'est vrai que depuis hier, je remarquais que Switch, il est super galère, en IA. Il est vraiment chiant de ouf. Allez, c'est parti. Ah, je vais mourir. Ha. Oh, le bordel nucléaire. Oh là là. Ow. Putain, je suis en train de... Est-ce que t'as vu comment ils m'ont gangbang? Est-ce que t'as vu comment ils m'ont... Je suis même plus là. Je suis où? Je suis pas là. Ils ont gangbang mon cadavre. Donc il faut attendre... que l'IA ait fini de s'amuser pour jouer avec les restes, quoi. Ok. Ah mais c'est marrant, on marque les rounds progressifs comme ça, j'aime bien. Oh.
Ça va les gars? Yes, ok, c'est bon. Allez, c'est reparti, c'est fatigénique tous. Yes! Ha! Cha! Mais oh là là, qu'est-ce qui se passe? What happened? Je vais me faire éclater, je vais me faire enculer. Je suis où? Je suis même plus là. Oh mec, moi je vais boire un petit coup d'eau parce qu'ils m'ont donné soif. Merde, à moi. C'est à moi de lancer. Hein, je m'en fous, je vais tout seul contre le mur. Haha, je t'ai niqué. Non, je l'ai pas niqué. Non, il va me niquer. Ils sont trop rapides, ils sont beaucoup trop rapides pour moi. Ils ont une capacité mentale hors du commun. Un peu comme les Chinois. Ils sont certainement tous Chinois d'ailleurs. Bam! Oh l'enculé! Évidemment. Oh là 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 là! Allez les gars, montez au moins jusqu'à 5000 sinon ça compte pas. Oh la vache! Ça va les gars? On est Hein? Vous avez trouvé le moyen peut-être de régler le problème? Oh là là! Ah voilà! Et en plus il a éclaté Switch, bien fait pour ta gueule! Culé d'Android! Moi dans iRobot je prends le côté Molotov direct! C'est marrant, je suis toujours premier à commencer! Ça veut dire que je suis bon! Qu'est-ce que vous faites? Je peux jouer aussi avec la balle s'il vous plaît! Laissez-moi! Mais c'est mon ballon! Mon ballon! Ha! Je. C'était bien, franchement, mon gars, ils m'ont tous enculé, c'était vénère de ouf. Viens, je vais en ligne vite fait, vas-y, je fais un match en ligne, et je vais prendre ma nigga toxic, vas-y, un match en ligne, je suis sûr qu'il y a personne qui joue, en plus, je suis tranquille, je vais pouvoir couper le stream, je fais l'enculé, tu vas voir. Si c'est Harukun ou Lalou, je vais me faire éclater. Oh, il s'appelle le Mosquito. En plus, il a des tenues roses. 47, c'est quoi? C'est son ping? J'espère que c'est pas son nombre de victoire, parce que sinon, c'est la merde. Hein. Il est en 3ème division, ça veut dire quoi? Ouais, mais attends, parce que je suis en 8ème, moi. merde. Des conneries. Ah ouais, donc il joue tout seul, c'est ça? Ah ouais. Regarde, c'est une technique de mes ancêtres. Hiya. Ha. Crains devant la puissance de la Bretagne. BZH forever. Il m'a enculé. Mec, il a jonglé avec mon cadavre en plus. Franchement, c'est tranquille. Je te prends quand tu veux. Si je gagne pas là, je te gagnerai à Tekken, je m'en fous. Tiens, boum, boum, boum. Tiens, je te taunte. Oups. T'es vraiment nul en fait. Au. Il m'a enculé. Ah. Attends, bouge pas, t'inquiète pas. Regarde. La vitesse du lion alliée à la puissance du tigre. Ah merde. Non, je comprends pas ce que je fais, évidemment, je comprends pas ce que je fais. Est-ce que tu comprends ce que je fais, toi, peut-être? Aïe. Je suis vif comme le pinson. Et merde. Regarde-le. Est-ce que t'as vu qu'il était en train de m'enculer? J'avais pas encore pop. Genre, non, si, justement, j'avais encore repop. Et merde, oh là là, mec, je fais n'importe quoi. Il est en train de. Ah, c'est ça, donc c'est ça qu'il disait, les jongles en fait. C'était pas avec la balle, c'était avec mon cadavre. Je vois le délire. Mais ça m'impressionne pas du tout. J'en fous, IRL, je te défonce. Franchement, mec, octogone 1v1. Tiens, regarde, je t'encule ton cadavre. Bon, j'ai pas réussi, mais je te promets qu'un jour je réussirai. Bouge pas, t'inquiète pas. Tu crois que tu me niquais comme ça? Tu crois que tu me niquais? C'est combien j'ai d'heures sur l'état de ligue? 0,5. Mais non, c'est pas idiot. Idiot, il a pas le temps de devenir bon à l'état de ligue Blaze. Allez, hé, mec. Comment il s'appelle? Lalou. La revanche, je t'en ai mis plein la gueule, mais t'acceptes une revanche quand même? Allez, ah merde, ça en prend un autre. On peut pas faire de revanche directe. Je suis désolé Lalou de t'avoir éclaté. Ah non d'accord c'est bon. Non c'est bon. Non mais c'est parce que j'étais pas avec mon main.
En fait, mon main, c'est Jet. Et de cette couleur-là. Mais voilà. Non, mais voilà. Forcément. Et je vais. C'est parce que j'étais pas sur mon stage aussi, alors c'est pour ça que ça déconne un petit peu. Voilà, ça c'est mon stage. C'est pas celui que j'ai choisi. Attends, et en plus maintenant il est en rouge. Eh, c'est super confondant. C'est pour ça que j'ai perdu. C'est pour ça que je vais perdre. C'est parce qu'il est en rouge et moi je suis en bleu maintenant. Et tout à l'heure j'étais en rouge et tout à l'heure il t'en. Enculé. Il arrive même pas à récupérer sa balle. Haha, il est nul en fait. J'arrive pas à choper la balle. I was only pretending to be retarded. T'inquiète. Tu vas voir si on fait une compétition de crêpes beurre sucre, je t'encule mon gars. Tiens, voir, tarte ta gueule. Non, mais c'est parce que j'ai du ping, parce que je stream aussi, mec. Hein. Ça, tu le prends pas en compte. Bim. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas la parer celle-là? Je crois pas, non. Tu vas la parer celle-là, peut-être? Oh. Ouh, il m'a enculé, il m'a paré. Sinon, R2, tu gérais bien. Franchement, je suis en train d'enculer, mais c'est juste qu'il le sait pas encore. Regarde, il a plus de vie. Laisse-moi gagner, je te file 50 balles. Regarde. regarde, tac. Ça, regarde, ça c'est le coup que j'ai inventé hier. 50, t'es sûr que tu veux pas 50 balles, mec? 100 balles. Allez, franchement, 100 balles, mais tu m'écorches. Tu vas voir. Hop là. Ha. Ah. J'arrive pas à choper la balle. Rends la balle. Il me laisse pas jouer. Ha ha. Agenouille-toi devant ma puissance. Regarde, t'inquiète pas, regarde. Hop, celle-là elle est à moi. Ah, il a pris un point de dégâts, il est nul. Ah, il a essayé de choper la balle, il a raté. Oh, une merde. Et non, pas perfect. Je t'emmerde, moi. Vas-y, récupère ta balle. 50 balles, hein. L'affaire tient toujours, mec. Franchement, 50 balles, je te trouve le numéro de ma soeur. 50 balles, mec. Franchement, pour une game. Laisse-moi gagner une game sans cul. Bon, bien joué, mais je vais arrêter là, je suis désolé, je me lève tôt demain. Je m'en fous, j'ai gagné des niveaux. Haha. Ah, ça quitte comme ça? Ah merde. Merci beaucoup, Lalou, pour m'avoir enculé. Pour m'avoir enculé en live. J'avoue que c'est la première fois que je me fais enculer en live. Et sans facecam, c'est un peu bizarre, mais on s'y fait. Eh, Lalou, la revanche, c'est quand tu veux. Franchement, mec. Ouais, je vais l'ajouter sur Steam, je pense. Je vais essayer de te trouver dans les amis. Et... Oh merde, t'es pas là. Donc, j'espère que ça vous a plu, ce petit showcase de talent sur l'Etat League Blaze. C'était agréable de se faire enculer. Merci beaucoup, Lalou. Non, vraiment, pour de vrai, pour le coup, merci beaucoup d'être passé, d'être venu en ligne et tout, pour venir jouer. C'était super sympa. J'espère que la soirée vous a plu, avec Resident Evil 4 et ça. On essaiera de finir Resident Evil 2 remake dans pas longtemps, parce qu'il nous reste plus grand chose à faire. Il nous reste le labo. Franchement, une grosse demi-heure, c'est torché. Donc, on fera peut-être ça avec un autre jeu dans une autre soirée, peut-être un autre jeu d'horreur ou je sais pas quoi. En tout cas, en attendant, je vous fais de gros bisous. Et puis, on se voit plus tard. On fait comme ça, on se voit plus tard. Pendant que je cherche une chanson à vous foutre pour le départ. Tiens, je vais vous foutre justement la chanson de Switch là. Allez, bisous les gars, ciao.